I know that you with it, that you with it. Guess who's back? Hi guys! Salut. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Hey, je fais plus. Je ne fais plus. Non! Allez. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau groupe, un début de chez Hybe, donc sous label Cause. Nouveau groupe de garçons, voilà, qui s'appelle Boy Next Door. Présenté comme les petits frères de New Jeans. Petits frères ou... La version... Même concept. Version garçon, version de... masculine de New Jeans, on va dire. Je pense pas qu'ils seraient plus petits que New Jeans, alors qu'elles sont déjà petites. Bon, version masculine de New Jeans. Voilà. Donc, on va voir ça. Hein. Franchement, on les connaît pas du tout. On a pas du aucun tout. Truc. Ouais, voilà. On ne connaît personne. Rien. Voilà. Niette. Là, c'est vraiment découverte. Sur découverte. Voilà. Si vous les présentez comme la version masculine de New Jeans, faudrait que ce soit à la hauteur. Ah, allez. Parce que New Jeans, elles sont déjà là. Donc, c'est pitié. On n'a encore rien vu. Voilà. On y va? On y va. Donc, le titre. Sérénade. Sérénade. Ok. Si c'est pour... Est-ce que eux aussi, ça va être un peu comme New Jeans, car ils sont... Ils kiffent une meuf et tout, et genre, ils... Tiens, est-ce que ça va être la même ambiance? Imagine, ils seront, genre... Parce que là, je vois que le thumbnail, ils sont dans la rue. Imagine dans la rue, en mode Chris Brown. Excuse me, miss. Tu vois? Est-ce que ça va être ça? Sérénade, en mode... Tu vois? Je te chante mon amour. On y va. On verra. C'est parti. King of de quoi? Zungle. Hey. C'est quoi? C'est même pas bon. Je suis sûre, c'est ça. Qui fait une I change your game, just that you can. Quelle agression. The body in support. Et la taga matcha n'kwanya. Je suis la dame là. Le style, c'est vrai que ça du iPod. Un peu. Je savais. Franchement, c'est trop obligé, prévisible. Genre, vraiment. C'est ça, voilà, bien sûr, danser en bas. Vous savez,
raconte, sinon je m'ouvre. Voilà. C'est jeune maintenant là. De ouf. C'est la folle. Et puis, tu vas juste ouvrir la porte. Il y a quand même de la place. Non mais oh. Allez, rentrez chez vous. Allez, dehors. Ils sont déjà dehors. Oui. Ok. Débat. Débat. Alors, la musique en soi, elle est mimes, mais c'est sans plus. Sans plus. Voilà, c'est le mot, c'est bien, mais sans plus. Genre, ça m'a pas plus touché que ça, quoi. En mode, ouais. C'est un son pour la jeunesse. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Après, je sais pas trop quoi dire, genre, bon, à part. Ouais. Voilà. Bah déjà, enfin dans l'introduction, on avait déjà cerné le groupe en fait. Tu vois. On avait raison. Ouais, le scénario, c'est exactement ça. Là. Bon après c'est un peu comme ça que tous les boys band ou tout ça ils commencent, tu vois. Enfin à peu près, à peu près. À peu près. À peu près. Oui. Voilà. Ça commence toujours à peu près comme ça. Mais ouais là, la chanson objectivement elle est bien faite. Mais sans plus, j'ai pas plus d'émotion que ça. Après, ils ont une autre musique. Ouais. Donc, est-ce que tu conseilles de voir ça? Vas-y. Hein. Parce que j'ai... Enfin, pas que je vais m'arrêter à ça, mais en gros, je veux voir si c'est vraiment leur style de musique ou on arrive. Boy Next Door, One and Only. C'est la plus récente. Pour voir si c'est vraiment... ce style là dans lequel ils vont rester, mais j'espère pas. Boy next door. Hey. Represent NKOZ. Hey. Ouais. Just there. The boy next door.
un peu mieux. Ouais. Mais le switch. One and only. One and only. Now I'm in an obstacle. Donc là, c'est une autre ambiance. Oui. Et je préfère ça. Ouais, c'est... Ouais. Je préfère celui-là. Vraiment. Après, encore une fois, vraiment... Je suis difficile, mais je suis... Ça me... Ça te prend pas non plus. Ça me prend pas non plus. C'est sans plus pour moi, genre... Ouais, sans plus. Ouais. C'est vraiment, en gros... Comment dire? C'est dans leur tranche d'âge, etc. Mm-hmm. Je sais même pas ils ont quel âge, mais... Bah, je pense qu'ils doivent avoir peut-être le... C'est la même tranche d'âge de New Jeans, un peu, hein, ok. Bon, en tout cas, tout ce qui est paroles, concept et tout, c'est en accord avec leur âge, mmh, et tout ça, c'est bien. Mais après, au niveau du son, pour moi, c'est sans plus, quoi. Ouais. C'est un oui. Peut-être c'est parce qu'on est trop vieille. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais... Après, je vois venir. Ah, mais vous aimez pas le fun, vous aimez pas le fun. C'est pas une question de fun, hein. Non, mais parce que... Non, mais je faisais... Oh, pour eux, là, sur... en mode... Non, mais bon, je vois venir. Vous aimez pas le fun. Ouais, bon. Et puis, on c'est est un pas bien obligé d'apprécier les musiques de tout le monde, en fait. Ouais. En fait, il ouais. y a des musiques, en gros, qui... T'as pas... C'est même pas en mode j'aime pas, j'aime bien. C'est en mode t'as pas... T'as pas d'avis, en fait. T'as pas d'avis. Tu vois, ok. T'es neutre. C'est ça. Ils chantent bien, ils dansent bien. Bon, après, c'est un peu le but. Oui, hein. Ils dansent très bien. Voilà, mais... Je sais pas. Sans plus. Et en fait, la manière ça a été teasé... Enfin, je m'attendais... Peut-être c'est parce que vraiment... Mais, on avait trop d'attentes. Trop d'attentes, ouais. Et c'est les K-pop stars en général. Genre, quand il y a un nouveau groupe... voilà, direct, elles sont. Des fois, même le groupe n'a même pas encore débuté, qu'elles sont déjà en train de stan. Déjà, c'est le groupe sur un. Tu vois, sur un pédestal. Enfin, tu teases le groupe comme si. Alors que. Non, en fait, c'est pas. Après, en vrai, je me demande, est-ce que là. C'est en fait, en la fait, bonne période pour débuter un nouveau groupe de garçons. Sachant qu'il y a. En fait, il y en a trop là. Il y en a beaucoup. Enfin, surtout que là, Hybe, leur. Enfin, je parle du groupe en général, oui. Hybe. Leur dernier groupe c'est New Jeans. Ouais, leur dernier groupe New Jeans. Non. C'est quel? Il y a un groupe japonais. N-Team aussi. Oui. Bon. Tu vois déjà? Donc. Enfin, après. Ils enchaînent. C'est. Je peux comprendre que en gros ils veulent faire tourner sur plusieurs secteurs, domaines, etc. Mmh. Mais est-ce qu'on peut pas se concentrer sur les groupes déjà existants? C'est ça. Je pense qu'ils se sont dit, comme New Jeans, t'as un groupe surprise, ça a pris un succès direct. Direct, tu vois. Donc ils se sont dit, bah, pourquoi pas faire la version garçon. Ouais. Mais sauf que... Sauf que c'est pas pareil. En fait, si pour un ça marche, ça veut pas dire que l'autre va prendre pareil, en fait. Pour New Jeans, ce qui a fait que ça a marché, c'est parce que le style de musique était Y2K. Là, c'est pas du what to fait là. Ça prend pas pareil. Peut-être ouais, peut-être qu'il fallait pas les marketer comme ça. Bon. Vous nous direz ça parce que. C'est peut-être nous. Voilà, mais. Rien à dire, hein, franchement, je. Ouais. Bah, en tout cas, la première musique, c'était. J'entendais du Icon, je suis désolée. C'est Icon, YG. La manière de chanter, c'est vraiment du Icon en fait. Même le clip, comment il est. Ouais. Tu dis, mais. Ça a été fait à la YG ou quoi, genre. Bien, est-ce que l'agence. N'est pas... De production, tu veux dire? Ouais. Ah, peut-être. Enfin, bref. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé bah, du début de Boy Next Door. Si vous avez... Je sais pas s'ils ont un EP, je pense que si. Ouais, c'est sûr. Si vous avez écouté l'EP, vos sons préférés. S'il y a un son, vraiment, que vous pensez que ça peut nous plaire, vous pouvez nous dire en commentaire. Si vous êtes sûr, hein. Si vous êtes sûr, commentez, likez, partagez la vidéo s'il vous plaît, vous abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Ding-dong. Petite notification, on vous voit. Much love. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok.
Tout est en barre d'infos. Et sur ce, on se retrouve dans la TS.